Aujourd'hui, c'est compétition des arts avec Morgan, qui sait pas dessiner, et Lay, un jeune youtubeur très prometteur. Ça va se faire en 3 manches, on pioche un perso de pop culture dans la pop box, puis un style de dessin dans la art box. On les combine et celui qui aura fait le meilleur dessin l'emporte. Et surtout, ce sera vous, la commu, qui allez voter sur Insta, YouTube et Discord pour désigner le gagnant. Total de 5 points. J'ai un beau ciel. Allô, est-ce que tu nous entends, mec? Lay n'a finalement pas pu être en appel à cause de sa connexion. C'est pas lui qui devait être en visio. Donc on est passé direct au tirage numéro 1. Là on le savait pas encore, mais les combinaisons allaient être très salées. Morgan, je t'invite à piocher le premier personnage. Honneur aux dames finalement. Exactement. Alors du coup, vu que Justin écrit très mal. Jack Sparrow. Ce sera Jack Sparrow. C'est non. Ouais, Jack Sparrow en après. Bah c'est tout le challenge. Bah mec, c'est parti. Regardez le matériel qu'il a pris. Regardez mon matériel. Mes différences de budget. On est parti pour la manche numéro 1. Une manche numéro 1. C'est une manche. Le manche numéro 1. Le manche, le manche, oui. Mais abstrait, ça veut dire quoi? Après, ça veut dire tu fais n'importe quoi et tu trouves un sens à... À son n'importe quoi. L'abstrait, c'est que tu balances des couleurs comme ça. Et après plusieurs recherches, on commençait enfin à avoir une idée de à quoi allait ressembler nos dessins. Bon, en fait, c'est des formes abstraites. Ouais, oh mec, ça avance bien. Mais c'est des formes qui se retrouvent dans Jack Sparrow. En fait, le problème, c'est que tu trouves du sens dans ton dessin. Ouais. C'est que t'as raté, du coup, les faire ça. Non, mais la communauté art après, il doit se dire, je vais rester dans le déni. C'est vrai que mon art, il est pas fou. Vraiment faire la base de la base de la base. Toi, c'est un poulet. C'est un poulet. C'est parce que dans ce truc, il y a un easter egg. Wesh! Mais mec, c'est pour. En gros, je t'explique, regarde. Okay, mais je connaissais pas ce truc, moi. Mais c'est génial! Mon crayon a disparu. Ah non, il est là, il était. Je te rappelle. Ah putain. Fiche, revoyons. 2 euros, mec. C'est parti pour faire absolument que de la merde! Ok. De la merde de qualité! 30 minutes de moments d'amitié. Et de conneries plus tard. C'est des algues qu'il a sur la tête? Cet homme est fou. Première manche, état du bureau. C'est plus un bureau, d'accord. On m'a demandé qu'est-ce que c'est ceci. Ça va, j'ai un prénom. On va refaire. Ceci est la perfection. L'art abstrait. C'est vraiment de l'art abstrait. Ah. Là, j'ai une idée. Je prends ça là et j'en mets un petit bout sur la feuille. Et ça donne ça. Tu es de droite ou de gauche, Morgane? Je crois que la galerie d'art est ouverte aujourd'hui pour essayer de leur donner ce dessin. Mec, viens, attends, là, juste après, je veux qu'on... Viens, on le fait. Fais juste après. Ouais. Oui, on a bien décidé de donner nos dessins abstraits à une galerie d'art. Enfin, en tout cas, on va essayer. En vrai, j'ai presque fini, hein. Mais... Moi, j'ai fini mon dessin. Bravo! Le truc bien de ce dessin, c'est que vous le tournez, vous avez quand même de l'art abstrait. C'est ça, le vrai sens. Qui est Jack Sparrow? Un être avec une double personnalité. Petite élite stylée de mon dessin tout de suite. Pendant ce temps-là, Morgan qui détruit les fenêtres de dessin. Ah oui. Ouais, j'arrête de détruire mes fenêtres. Voici les deux dessins pour la première manche de moi et Morgan. Voici à l'écran le dessin de Ney. Morgan, où est-ce que nous partons? À une galerie. On va faire croire en gros que c'est un dessin abstrait. On va faire que du bullshit. Mec, imagine. Imagine c'est fermé. On va tirer la deuxième manche. Et pourquoi que des persos de merde? Oh, attends, qui les a mis? Qui les a mis? Walter White. Un barbu, chauve, avec une chaise de mexicain, bien jeune. Et ensuite, évidemment, le style. Berserk. Oh, let's go! Ça, c'est bien. Walter White. Oh, Berserk. Bon, toi, la gueule, mon fils. Voilà. Et le petit croquis absolument nécessaire pour un max de charisme. Ouais, est-ce qu'il a pas de charisme comme ça? Déjà plus que toi. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais de là, j'aime bien, je kiffe. On dirait un perso de GTA. Et... Ah, mais y a pas de couleur. Ah si, y a un peu de couleur. Un peu de gris. C'est des valeurs. T'as vu, j'ai appris mes cours d'art plastique. J'ai vraiment bien avec le plus petit. 0,05. Faut être minutieux. Là aussi, pareil, même style et tout. Ça va rendre trop bien. Trop beau. On dirait une épée du tube de ce côté. Ça va être trop beau. Et dire que c'est quand même moi qui au début était plus fort en dessin. Maintenant, c'est toi. Avant, je t'explosais en dessin. Et pendant que Morgan dessine sur mes boîtes de rangement, je continue comme je peux. Moi, j'arrive à la fin du dessin. Oui, oui, en direct de la Fashion Art Week. Ici, nous avons les Walter White style Berserk. Oh là là, c'est magnifique. La deuxième manche est terminée. Nous avons les deux dessins ici. Et maintenant, nous partons pour la manche numéro 3. Oui, vas-y. Vas-y, pioche le dernier. Au nom de Zidane. Sherlock Holmes. Putain. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et les 40 voleurs. Et puis on s'est dit pourquoi pas compliquer la tâche en rajoutant un thème supplémentaire.
Oh, regarde, c'est stylé là. Ok. Sherlock Holmes en armure. J'ai pas envie de faire une armure. J'ai envie de faire la tenue de Sherlock Holmes en mode armure. En mode ouais, d'accord, ouais, ouais. Allez, tu vas pas me voler mon idée. Hein. Et enfin, le dernier style de dessin. Non, non, let's go. Non, Je tombe sur le style qui est chic. C'est mon seul objectif. T'as Sherlock Holmes en mode qui est chic. En armure. Oh, ça va être trop bien. Déjà, cherchons le style de qui est chic. Tu prends quel Sherlock Holmes? C'est pas un chien de base de Sherlock Holmes? Quoi? Mais je te jure, c'est quoi? Mais c'est lui Sherlock Holmes. On n'a pas connu le même Sherlock Holmes. Non, c'est lui Sherlock Holmes. Mais c'est un personnage de roman Sherlock Holmes. Oui, mais ligaments croisés. Non mais attends, c'est trop bien. Toi dessine celui-là. Ouais. Et moi je fais l'autre. Ce bureau de mieux en mieux, hein, de mieux en mieux. Mais au moins, vous savez quoi? On a de beaux dessins. C'est tout ce qui compte. Mais je crois que c'est Cyprien. Bah dans sa vidéo sur le dessin, il en parle. Ah ouais. Et il commence à parler, il a ta gueule. Cette armure de zinzin. Ok, ok. Quart destin. Quoi? Friends President. Merde. Oh, j'ai envie de le faire shooter. De quoi? Sherlock Holmes shooter. On s'est même dit que prendre mes tomes de Kiki, ça allait peut-être nous aider. J'ai passé au lime et un peu de couleur après. J'avoue, on n'a pas énormément parlé pendant cette partie-là, mais je vous préviens, nos trois dessins sont masterclass. Là, de ce côté-là, sa armure bien plate. Son armure, je la fais de quelle couleur? Rouge, noir, marron, mousse. Mousse. Toi qui as utilisé la mousse? La mousse. Quoi ça? Mousse. Mousse. Je peux descendre le niveau, parce que je te rappelle que moi là, mal au dos. J'ai mal au dos! J'ai fait une blague de merde. T'es prêt? Tu m'as demandé de descendre le niveau. C'est quoi pire? C'est que j'ai kiffé la blague. Regardez le petit Sherlock Holmes cartoon armure. Ok, mes dessins sont terminés parce que je suis trop rapide, je suis trop fort, je suis tout ce que vous voulez. Et j'ai trop hâte de voir vos qui sera le vainqueur de cette vidéo. Je suis enfin terminé. Voici le dessin de Morgane, moi franchement je le trouve très stylé. Bah, celui de Ney actuellement que vous voyez à l'écran. Regarde où tu traites, hein, c'est trop bien fait. Donc Ney, est-ce que tout est bon pour toi? Malheureusement, cette fois aussi, sa connexion fonctionnait pas trop, mais on a quand même pu commencer. On peut enfin faire le reveal. Donc là, on est sur YouTube. Donc on a un vote sur YouTube pour le tien. Un vote pour Morgane, pour Jack Sparrow. 2 points pour toi. Tu as aussi gagné le Walter White. Et celui-là, c'est juste un. Le Sherlock Holmes. Voilà. Donc le Walter White. Oh, c'est serré. C'est toi. Allez, 3 points pour moi. T'as marqué le 1 point pour moi. Bleu turquoise, c'est le tien. Putain, mais il nous a explosé. Attendez, il reste plus qu'un star. Alors, pour le Walter White, le numéro 1, c'est le mien. Celui-là, c'est encore moi. Numéro 3, c'est le tien. Évidemment, c'est Morgane qui a gagné avec un total de 5 points. Putain, c'est sûr que je suis un peu dernier. Attends, le Jack Sparrow a été très apprécié. Mec, mais la rapstrait est fait pour toi. Oui. J'ai balancé des coups. Voilà mon interprétation. Et merci beaucoup, Ney, pour le concept. La proposition de fit venait à la base de Ney. Thank you.